Bonjour, Catherine Broca de l'Institut d'élevage. Bonjour, Denis Piard. Je venais pour réaliser le diagnostic Cap de Zère. Oui. En quelques mots, vous pouvez nous présenter l'exploitation ? Donc, je suis associé avec mon beau-frère. On a un troupeau mixte, c'est-à-dire un troupeau vache laitière, vache allaitante. Troupeau vache laitière, on a 65 vaches pour un quota de 520 000 litres de lait. Tous les veaux sont élevés et engraissés sur l'exploitation, les jeunisses pour le renouvellement et les mâles en bœuf laitier. Et on a un troupeau allaitant de 50 vaches élevées pour la boucherie. Et en termes de prairies ? Donc en prairie, on a 150 hectares. On va au bureau collecter les chiffres. Okay. On va balayer l'ensemble de l'exploitation en regardant tout ce qui est effectif au niveau du troupeau et la production en lait, en viande. Le logement, comment sont gérés les effluents et le temps passé au bâtiment ou au pâturage par les animaux. Les surfaces, tout ce qui est itinéraire, apport d'azote, et puis tous les éléments agroécologiques, la présence de haies, de lisières de bois. Ensuite, on regardera les rations. Et tout ce qui est consommation d'énergie avec les achats d'électricité et de carbone. Les bovins viande, donc la race est Salers, sur la partie logement effluent, des logettes de fumier. Coup de Loire raclée. Donc c'est uniquement pour les vaches laitières en fait. Et en concentré, donc 1 kg de céréales, la fertilisation minérale avec 70 unités sur les prairies permanentes en moyenne, la biodiversité maintenant. Vous avez votre double décimètre ? Ouais. Et là, c'est la lisière de bois ou de la. Là, c'est de la haie. Le cours d'eau, il fait ça. De ce qui est là. On a une empreinte carbone de 0,77 kg de CO2 par litre de lait. Et pour la viande, 11 kg de CO2 émis par kilo de poids vif. Et c'est les vaches de réforme. C'est quoi les émissions de gaz à effet de serre ? On a le méthane, qui là représente plus de la moitié des émissions de l'atelier laitier. Ensuite, on a le protoxyde d'azote. Ça, c'est les effluents d'élevage et puis les apports d'azote sur les cultures. Et enfin, au niveau intrants, tout ce qui est achat d'engrais, de carburant, électricité et aliments pour les fabriquer. Bah, hop, ça se traduit par des émissions de CO2 directes. Les émissions nettes, ça fait 525 tonnes par l'atelier laitier. Alors, l'équivalent CO2 par an. Voilà. Là, on a positionné l'exploitation, donc c'est le trait bleu ici, par rapport à un référentiel national. Et ensuite, on vous compare des exploitations qui sont en herbe maïs. Même système que moi. Voilà. Conclusion, positionnement en termes d'émissions au niveau de l'atelier dans la moyenne. Il y a quand même un chiffre qui m'interpelle sur la quantité de... Combien, 525 tonnes. Ouais. En moyenne, globalement, on dit 1 litre de lait égale 1 kg de CO2. Hein. Bon, là, vous êtes à 0,77, mais vous retrouvez vos 500 tonnes avec vos 500 millilitres. Je suis un peu surpris. On entend toujours dire que les prairies stockent beaucoup. Et je trouve que finalement la compensation n'est pas si élevée que ça, puisqu'on n'est qu'à 17%. Effectivement, il y a beaucoup de prairies, beaucoup de haies. Mais il y a un effet aussi de déstockage lié à la présence du maïs. Si on regarde la consommation d'énergie et la qualité de l'eau, les résultats sont très bons aussi, parce que c'est lié à une très bonne gestion des intrants sur l'exploitation. Dans les axes de progrès, optimiser l'âge premier ménage. Hein. Oui. Et puis le deuxième, essayer d'optimiser un peu la part de concentré au niveau de la ration des vaches laitières, voire au niveau des genisses. Là, l'objectif globalement, c'est produire autant de lait, voire plus, avec moins d'UGV, en fait. Alors, on peut simuler rapidement. On était à 36 mois pour l'âge au vélage. Vous avez quoi comme objectif ? 30 mois, ce serait bien. Mais on pourrait réduire de 7% les émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'atelier laitier. Et d'un point de vue économique... 7%, bah voilà le poids du méthane. Donc ce qu'on regarde aussi, c'est contributions positives. Donc l'élevage ici, par le biais des haies, des prairies et des arbres, on traduit ça en équivalent biodiversité. Là, on est dans le vert. On estime que la production d'un litre de lait permet l'entretien de 2 mètres carrés de biodiversité. Et la performance nourricière ? Ah oui, quand même, je nourris, rien qu'avec mon atelier lait, 1988 personnes par an. Voilà. Parce que je retiens des résultats que vous m'avez présentés, là, c'est tout d'abord, ça me donne un petit peu des références, ça me permet de me comparer par rapport aux autres, parce qu'au niveau biodiversité, au niveau gaz à effet de serre, j'avais aucune notion. Donc ça permet déjà de prendre conscience nous-mêmes que quand on cultive des prairies, des haies et tout ça, on a forcément un impact sur la biodiversité. Le ramener au litre de lait, c'est assez parlant. On a vu qu'il y avait deux leviers principaux sur mon exploitation. Donc moi, je retiens l'âge au vélage. Au niveau comptable et économique, on sentait que c'était plutôt une direction vers laquelle il fallait aller. Et le deuxième point, c'est la quantité de concentré distribuée par vache et par animaux. Pareil, même constat. Mais voilà, on a fait tout le travail sur l'atelier lait.
Ce serait bien si on pouvait aussi le faire sur la partie viande. Bon, ben voilà, c'est fini. Merci beaucoup, Catherine. Bon retour.